Je vais essayer de réaliser le défi impossible. Wesh l'équipe Bianco, aujourd'hui on se trouve sur une nouvelle vidéo. Mais avant ça frérot, si tu veux exploiter tous tes pouvoirs sur Fortnite, n'hésite pas à me mettre en code créateur, c'est super important. Tu vas voir que en mettant mon code créateur, tu vas débloquer tous tes pouvoirs, tu vas faire des top 1 chaque game, tu vas être pro builder, tu vas être le meilleur joueur au monde. Du coup frérot, tu mets code DIZOSAN dans la boutique, tu fais accepter et tu verras que tu seras le meilleur joueur au monde. Aujourd'hui les gars, on est parti pour réaliser le défi impossible. C'est de faire top 1 à la manette à la saison 9. Vais-je réussir? Vais-je mourir? Regarde bien jusqu'à la fin et tu le sauras. Du coup c'est parti, je lance la partie et on va essayer de faire le petit top 1 à la saison 9 avec la manette. Ça fait très très longtemps que j'ai pas joué à la manette. Du coup, évitez de critiquer, s'il vous plaît. Les gars, dites-moi dans les commentaires, avant de regarder la vidéo, dites-moi dans les commentaires si je vais faire top 1 ou non. Genre, tu mets pause à la vidéo là et tu dis, oui, je fais top 1, oui, je fais pas, ou non, je fais pas top 1. Comme ça, je vois qui croit en moi, en fait. Du coup, on est parti, les gars, on va faire un petit spawn. On va faire un spawn Megamourle. Ok, il y a du monde. Je vais me faire chier dessus, c'est pas grave. Ok, j'ai vu un pompe au-dessus. Ok, j'ai déjà un pompe. Il y a des mini-potes, nice. Ok, pour l'instant, on est bien. Oh, il y a un gars qui a spawn à côté de moi. Oh, il y a un gars qui arrive, qui me rush. On va mettre les mini-potes avant qu'ils viennent. Hop, tac, tac. Mais qu'est-ce que t'es beau! Ah ouais, non, en fait, là, t'es moins beau. J'aurais préféré une AR, moi, ma gueule. Allez, du coup, on va les rush. Allez, toi, t'es mort. Allez, deuxième kill. Oh là là. On se met une mini-pote. Y'a un autre gars qui rush. On va se mettre la grosse popo. Le breuvage de jouvence. Where are you? I want to kill you. Ah! Oh, mais non, il m'a baisé. J'ai plus de vie. Comment vais-je faire? Oh, y'a un golem. Ok, y'a un coffre là, en espérant avoir du shield. Donne-moi quelque chose, frérot. Mais non, je vais crever, les gars. Je suis trop jeune pour crever. Trop jeune pour mourir. Ok, là-bas, y'a quelqu'un qui a construit. Dommage. Presque. On va récupérer ça là. Du shield. J'ai quand même des petits bandages. Ok, normalement, y'a un coffre, ouais, pas loin. Il est juste au-dessus. On va aller le chercher. Que là, on est vraiment pas bien. Mais hop. Mais ce jeu se fout de ma gueule, les gars. Le jeu se fout de ma gueule 100%. Oh, des mini-potes. Ok, let's go. Let's go. Là, top 1. Là, j'annonce, les gars, top 1. Allez, hop. Oh, des jolies pommes. Des le pop-pom. Allez, nous, on mange des pommes. Pour se mettre à 100 HP. Miam, miam, miam. Allez, hop. 100 HP. Eh, merci, les pommes. Il m'a donné un petit. Un truc de téléportation. Je connais plus son nom. J'ai un trou noir. Bon, après, c'est quand ils veulent les ennemis, ils montent leur cul. Hein, parce que moi, je vois personne, là. Y a pas un petit problème, là. Je croise personne. Où êtes-vous, bande de chaligots? Bon, sinon, comment on trouve des ennemis dans ce jeu là? On va monter sur l'avion de Star Trek là et puis on va se tailler après. C'est juste de la construire, on en profite le temps qu'il y a des palettes. Bam, bim, boum, bra, bim, bada, boum, tac. Mais il y a donc personne dans ce jeu? Suis-je tout seul? Et on va monter sur le truc là en l'air. Il n'y a l'air d'avoir personne, c'est un truc de fou. C'est sûr, il y a un saligo qui est en haut là. Ouais, c'était sûr les gars, il y avait un gars là. Mais comment vous m'avez trouvé? Oh là 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 là, let's fucking go! Il était mignon celui-là! Qu'il était mignon quand même! Je vais me qualifier pour aller voir le cup à la manette, vous allez chier. Fanzone, Edit, Triple Edit. Ah ouais les gars, je vais être le Tefou manette. Oh moi par contre, ça fait une demi-heure que je cherche des mecs. Ça va pas le faire. Les gars, on est 15. J'ai fait toute la map, j'ai croisé personne. Il y a un gars qui est mort là. Je sais pas comment il est mort. Mais il est mort. Il est mort par le grand Jésus-Christ. Oh Marie-Joseph. Il lui a dit, non toi tu ne joues plus. Je pense que ce pompe là il est assez goût. Bah il est bien. Quand je joue au clavier souris, je préfère ce pompe là en tout cas. Mais je sais pas ça donne quoi ce pompe là. Allez, allez. Oh! Mais what, la M6 les gars. Mais la M-Assist! Mais what the fuck! Heureusement que la M-Assist elle est là, hein, parce que. Waouh! Pas avec mon shoot de coq-li-coq, je vais faire quelque chose. Regardez, je suis même pas dessus! Mais pourquoi moi? Qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait pour me prendre une balle de sniper? Allez hop, on fait ça. Pourquoi moi? J'ai fait quoi pour me pas... Je me suis pris deux balles de sniper dans le fight les gars. Mais c'est une putain de blague. Jésus-Christ, oh Marie-Joseph, si tu veux pas que je joue à ce jeu, dis-moi-le. Fais-moi un signe. Pourtant, tu veux que je joue à ton jeu. Pourquoi tu me fais des trucs comme ça? Oh, une nouvelle arme. Fusil d'assaut tactique. Ce fusil d'assaut robuste et précis et idéal dans les situations serrées. Ça va être encore un délire comme la thermique. Du coup, les gars, code créateur Dizosan, hein, comme je vous ai dit en début de vidéo, ça m'aide énormément. Merci beaucoup à tous ceux qui le font. C'est sympa.
Bon, dans cette partie-là, je tryharderai, je me boxerai, je tuerai, je me tourerai. Bah, ça veut rien dire, ça. Bref, vous avez compris, je vais jouer ma vie. On est de retour à Megamall, parce que ça fait méga mal. Ok, on va là, à cette maison splendide, où le... on n'aura aucune arme. Allez, première balle qui passe. Oh, non. Let's go, tu dégages. C'est ma maison, gros, qu'est-ce que tu veux? Tu bouges de là. Ah, c'est tellement fort, ces petits trucs-là, pour m'être invisible. En fait, ils vous voient pas, on est totalement invisible. On est Gasper. Gasper, le petit fantôme. Ils sont chiants, n'empêche, à tout le temps changer d'emplacement les coffres, à mettre des sous-sols à la con qui servent à rien. Tout le temps faire des trucs chelous, de toute façon. Ce jeu, c'est sa spécialité. Oh, yes! La grosse... Oh, le breuvage de jouvence. Nous arrivons pour faire des gros dégâts. Allez, tu dégages! Merci, mon dieu! Il n'avait pas de vie! C'est ça qu'on voulait! Il n'avait pas de vie! Merci, frérot, le bon dieu! Ok, du coup, il nous a mis bien. Il nous a donné un bon pompe cheaté avec une petite PM qui est égale. On va faire cette maison-là en espérant avoir du shit. Oh. Mais... J'en ai marre! Je me prends toutes les balles de sniper du jeu! Je suis qui? Je suis votre... Où ça se passe comment? J'en ai... Ouais, il est bouillant, lui. J'en ai marre. Ça me gave. Je me suis pris 3 balles. Enfin, je me suis pris toutes les balles du monde en étant... Enfin, j'en ai marre. Je me suis pris toutes les balles de sniper. J'étais leur soumis. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, les gars. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner si vous êtes nouveau. Malheureusement, on n'a pas réussi à faire top 1. Mais bon, on a quand même essayé de faire des très belles games. Mais je me suis pris toutes les balles de sniper du monde. C'est pas de ma faute. J'ai vraiment pas de chance sur ce jeu. Mais en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme je viens de le dire, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si vous êtes nouveau. Moi, je vous laisse sur ça, les gars. C'était Dizzo. Ciao, ciao. Peace.